Studio 101. Et pour commencer, c'est le retour également de quelqu'un que nous aimons bien, c'est Claude-Michel Schönberg qui vous a interprété tout ou rien. Alors nous lui donnons tout, c'est-à-dire tout le crédit possible, ça veut dire du succès. Et bonne chance pour cet été. Et puis maintenant, eh bien, nous allons continuer l'émission. Alors bonjour Manitas. Bonjour. Je parle d'abord à toi parce que tu es un homme. Bonjour Jacques Godefrin. Quand on vous voit, alors c'est tout l'Aveyron qui nous sourit, qui est venu. Qui nous suit. On a passé vraiment un séjour extraordinaire. Oh oui, formidable. Sauveterre, c'était fantastique. Fontange, Nantes, où nous étions. Et l'autre jour, Saint-Afrique, vous avez vu sur un char tous les deux. Oui, très beau. Saint-Afrique, comment? Tu connais bien? Il y a beaucoup de moutons là-bas. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, on t'emmènera. En tout cas, merci encore à tous les Aveyronnais parce que vraiment, nous gardons un souvenir inoubliable. Et merci Jacques en particulier. Vous avez vu un petit peu ce feu d'artifice? Que de très belles jeunes femmes de la chanson, des stars. Dalida, on te salue. Tu as une robe somptueuse. Hein? Oui, oui, tu es le soleil de Rio de Brasil. Jean Manson. Moi, je voudrais te remercier, te donner ça pour te remercier pour toutes les choses que tu as fait pour moi cette année. Très gentil. Tu m'en donneras bien un petit chocolat. Hein? Oui, Anya. Merci, Jean, ça me touche vraiment beaucoup et je voudrais symboliquement le partager avec toute l'équipe et puis avec vous, téléspectateurs. Voilà. Mais ça, c'est la façon de partager. Tu crois? Un peu, hein. C'est un cadeau empoisonné, ça fait grossir. Tu en prendras quand même, Dali. Oui, c'est un... Non, c'est pas la peine de m'en demander. Hein. Non. Je ne pas, surtout, j'en ai pas besoin. Non, mais tu en auras tout à l'heure. C'est promis. Puis on en donnera aussi aux hommes, hein, l'émission, oui, on veut oui, bien. Oui. Oui, alors je vous disais, c'est vraiment un bouquet, un feu d'artifice de talent, d'amitié, de joie de vivre. Et cette joie de vivre qui, avec beaucoup de travail, eh bien, vient jusqu'à vous, téléspectateurs, puisque toutes ces dames partent en tournée. Dali, tu es toujours en promenade. C'est-à-dire, je pars le 8 juillet jusqu'au 8 septembre en France. Oui, 2 mois de tournée d'été. Tu vas dans toutes les régions de France? Un peu partout. D'ailleurs, pour te donner une idée, je fais Ussel, et puis le lendemain, c'est Maubeuge. Tu vois un peu. Rien, ensuite, Colmar, Cannes. Oui, en somme, les grandes voyageuses, en tout cas. Et toi, Jean? Moi, je pars demain pour Los Angeles, et je reviens dans quelques mois aussi. Très bien, mais tu reviens vite, hein, parce que tu pars comme ça, on a toujours peur que tu ne reviennes pas. Et que tu ne nous offres pas tout ton charme. Annie. Ah ben oui, moi je suis en tournée depuis. Rio, Rio. Rio do Brasil. Brasil.
Brasil, a Rio de Janeiro. I found my love in Rio de Janeiro. I found my love in Rio de Janeiro. Un grand bravo, Dalida, pour Rio de Brasil. Dali, tu viens un petit peu là? Qu'on vous voit bien toutes. Dis-moi, tu es allée la chercher là-bas, ta chanson, Rio de Brasil? C'est-à-dire un quart de chanson, parce que la chanson, elle est tout à fait française. C'est Mathias Camisot, merci. Parce que moi, quand je termine de chanter, je suis encore dans ma chanson. Alors, je vous prie de m'excuser. C'est lui qui a écrit la musique, mais il a enregistré une école de samba au Brésil. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme rythme au fond du disque, c'est brésilien, c'est une école de samba de là-bas. C'est pour ça qu'il y a cette ambiance assez extraordinaire. Alors on va se quitter maintenant, mais ce que je voudrais vous dire...